shit in the clown symbol, now you're getting money. Salut à tous et à toutes, c'est Madron240 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Je voulais tester pour voir ce que ça fait à peu près comme vue et si ça fait à peu près les mêmes vues que Skill2D1, je continuerai quand même Skill2D1. Donc voilà, c'est une équipe hors du commun, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais j'avais déjà fait cette série sur FIFA 13, FIFA 14, je suis pas sûr que je l'ai fait, mais en tout cas c'est sûr que sur FIFA 13 je l'ai fait. Donc voilà, c'est une équipe avec que un poste particulier, genre par exemple défenseur central. Donc mon équipe, elle est remplie de défenseurs centraux. Et donc, sauf au gardien, parce que sinon ce serait vraiment compliqué, on se prendrait vraiment trop de buts. Donc on va faire une coupe hors normal, donc le bouclier champion. Et on verra si on arrive à gagner avec cette équipe là. Donc je pourrais faire cette équipe avec des gardiens, avec des défenseurs centraux, des BU, des MOC, enfin voilà. Après ça dépend de vos avis et du nombre de vues, de j'aime et tout. Donc je verrai ce que je fais entre Skill2D1 et cette série. Donc là on voit qu'il a vraiment une équipe compétitive. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec notre équipe de défenseurs centraux. Ça va être un peu chaud mais on va batailler. David Luiz. Oh putain, dommage. Dommage. Oh là là, c'était chaud. Oh là, c'était vraiment chaud, j'ai eu un peu de chance. Il va pas le mettre de toute façon. Oui, bel arrêt. Bien joué David Luiz, la roulette. Oh David Luiz, le skill run. David Luiz. Oh dommage. Oh là là, le but, la chance. Bon, c'est un peu chaud. Marco Reus vient de marquer. Bien joué. Passe lobé pour le David Luiz. Oh là là, le lob que j'ai raté. Oh non. David Luiz toujours. La roulette encore. Oh David Luiz. Oh non, il tire à côté, comment il a fait? Comment il a fait? Putain, il a pas le droit de se louper là. On va toujours 1-0. Hein. Malheureusement, je domine. Mais je n'arrive pas à concrétiser comme on peut le voir sur l'action de David Luiz. Genre! Mais genre! Bah, doublé de Marco Reus. Parce que Ramos, je comprends pas, il a rien fait. David Luiz. David Luiz qui transperce la défense. Oh la frappe, putain, sur le gardien. Balle pour David Luiz. David Luiz. Boum. Oh là là, mais il a pas su marquer encore une fois David Luiz. Oh le but. Oh le but incroyable contre son camp un peu, mais vraiment un gros coup de chance avec Raphaël Varane là. Passe pour David Luiz, crochet. David Luiz et le but. Incroyable. Égalisation grâce à David Luiz. Magnifique. Le gardien, il a un peu fait de la merde hein. Bah, heureusement pour moi. Juan Ressus. Oui. Oh non. Ça passe juste au-dessus, non, comment il a loupé ça? Putain, il a la tête à Kaysi, on dirait. Ouais, il fait entrer Agüero et Nani. David Luiz. David Luiz toujours. Oh là, dommage. Oh la balle, oh non, David Luiz qui l'a loupé. Oh non. Bah voilà, c'est la fin des prolongations. Heureusement, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Bon, on va passer au tir au but. Bon, c'était un peu rodé. Non. Oh là là, Alvaro. Quoi?
Il a tiré sur la transversale, ce trou de balle. Bon bah j'ai perdu, hein, tant pis, au péno. Donc voilà, c'était un petit match de test, vite fait comme ça. Et si je vois que vous vous intéressez un peu à cette série, je ferai celle-là plutôt que Skill to D1, ou je ferai une équipe hors du commun le lundi et Skill to D1 mercredi ou un truc du genre. Donc je vais voir ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais ouvrir juste un ou deux packs en fin de vidéo. Donc voilà le premier pack avec Eden Hazard sur la pochette. S'il te plaît, Marquez, pas grand chose. Bon, de fin de vidéo. Encore Eden Hazard. J'espère que cette fois il va nous apporter quelque chose de bon. Bon bah on n'aura rien, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Madzan 240 et je vous dis à la prochaine.